publiquement parce qu'elle le mérite. Voilà. La deuxième chose concernant l'analyse du match, il y a eu deux mi-temps. La première, où on a vraiment été en maîtrise, on a maîtrisé cette première mi-temps du début à la fin, mais un peu comme à notre habitude, on a manqué d'efficacité, parce que je pense que sur la première mi-temps, le match à la mi-temps aurait dû être plié, puisqu'on aurait dû avoir deux ou trois buts d'écart à la mi-temps. On n'a pas eu cette efficacité. Et puis après, il y a eu une deuxième mi-temps plus pénible. On a souffert un peu parce que l'équipe en face, elle nous a fait reculer aussi. Elle a mis un peu plus d'intensité. Et puis nous, surtout, on avait beaucoup de fatigue parce qu'on a fait, 14 matchs depuis le début de saison quand même. On est l'équipe qui a le plus joué en Botola. Donc on savait que physiquement, on pouvait être un peu en difficulté sur cette deuxième mi-temps. Et on l'a été. Par contre, je tiens à féliciter les joueurs parce qu'ils ont été très courageux. Ils n'ont pas lâché, ils se sont accrochés. C'était très dur physiquement en deuxième mi-temps. Mais comme on a actuellement une très très bonne mentalité de travail et un groupe qui a une excellente mentalité, voilà, on a réussi à tenir et à marquer ce deuxième but, un peu tardivement, mais on l'a mis. Mais en tout cas, on est là où on voulait être. On voulait être en haut du classement à la trêve. On y est. Maintenant, il va falloir qu'on récupère beaucoup, parce qu'on a beaucoup joué, et on va essayer de bien récupérer, se reposer, pour après repartir sur une bonne dynamique à la reprise. Voilà.